Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview ô combien exceptionnelle puisque je suis dans l'habitat naturel de Tom Marceau, chez lui, sur ses terres, à Béton. À Béton, c'est ça. Voilà. Donc Tom Marceau, comment est-ce qu'il va bien ce jour d'inauguration? T'es prêt pour ton inauguration? Ça va super, ouais. Tout va bien se passer. Ouais. Tu t'es déjà fait inaugurer ou c'est ta première inauguration? C'est ma première. Ouais. Ça commence bien. Et tu sais que pour préparer ma venue ici, je me suis plongé dans les archives de la chaîne Guitare et ça date d'il y a 10 ans en fait, la première interview. Et c'était probablement avec ce même Zoom H2, mais il n'y avait pas l'image. Voilà, donc s'il fallait retracer un peu les 10 dernières années entre l'interview et puis là, l'atelier incroyable que tu as construit ici, c'est quoi les étapes marquantes? Quand on s'est rencontrés, je devais être à Gévesey, au nord de Rennes, ouais. Dans une vieille longère un peu spéciale, on va dire. Ouais. J'ai fait 7 ans là-bas. D'accord. Après, j'ai fait 4 ans à Saint-Dominoc, donc avec un nouvel atelier, d'accord, des nouvelles machines déjà, ouais, il y a 5 ans. Et tu étais déjà en mode CN ou la CN, elle est arrivée ici? Commande numérique, pardon. La commande numérique est arrivée à Saint-Dominoc. D'accord. Avec une autre, okay, que j'ai vendue. Mmh. Et là, je suis reparti sur du coup un atelier qui était un peu plus important. D'accord. J'avais besoin d'agrandir. Le mot-clé, c'est un peu plus, ouais. Vous souhaitez regarder l'intégralité de cette vidéo? Rendez-vous sur lachaineguitare.com pour profiter d'un abonnement d'un mois offert.